Puisque vainqueur, telle est notre devise. Puisque vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivant le Christ, sur le calvaire, ayant toujours sa mort devant les yeux, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Les injures du monde pour confesser le bon nom de Jésus. Et tu disais, tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Et tu disais, tout notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Amis croyants au pouvoir invisible, et le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la, remplis la main invincible. Triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible. Triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible. Triompher au nom du roi des rois. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon pour moi, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Et Dieu est bon, alléluia. Il est bon pour moi. Moi j'étais malade, Jésus m'a guéri. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Moi j'étais perdu, Jésus m'a sauvé.
mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Oh, il est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. Tu es très bon, mon sauveur. Merci. Merci pour ta bonté. Certainement, c'est vrai. C'est pour ça que le psalmiste voulait dire que quand je chancelle, oh Dieu, ta bonté me sert d'appui, mon sauveur. Tu es vraiment bon, sauveur. Merci encore pour ce que tu es, Seigneur. La grâce de pouvoir réellement être avec nous encore en ce jour, Père. De nous aider à pouvoir marcher pour toi, mon sauveur, bien-aimé, Père Saint-Dieu. De toujours nous conduire encore davantage et nous éclairer, Père oh Dieu. Oh Seigneur, merci parce que si toi, tu n'étais pas là, nous serons toujours dans tes lèvres, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. T'attendons, Père Saint-Dieu. Mais tu es venu pour que nous puissions avoir une marche ferme avec toi, mon Père. Merci encore pour cette grâce. Merci encore pour cette bonté, Seigneur. Merci encore pour cette miséricorde, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que tu as réellement témoigné, que tu continues davantage à pouvoir les faire encore à notre endroit, Père Saint-Dieu. Et nous sommes heureux encore d'être ce soir dans ta maison à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Et nous pensons à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont là, malades et souffrants, Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit, Père Saint-Dieu. Puissions encore être glorifiés encore, Père Saint-Dieu. Parce que toi, bien-aimé, Père Saint-Dieu, la guérison, la délivrance et tout cela ne vient que de toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Dieu, tu es l'auteur de notre guérison, bien-aimé Père Tissant. La délivrance, c'est toi que nous l'accordes, bien-aimé Père Tissant, parce que personne ne peut délivrer, et ce n'est que toi, notre Dieu. Loué soit ton Saint-Nom encore ce soir, pour chaque antique, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour chaque frère et chaque soeur, bien-aimé Père Tissant, et chaque enfant aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu. La joie et l'amour d'être dans ta maison, bien-aimé Père Tissant-Dieu. Où irons-nous sans toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu? C'est pour ça que nous accrochons toujours à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous souvenons encore de ta parole à toi, mon bien-aimé Père Dieu, parce que toi, tu n'oublies pas tes paroles à toi, mon bien-aimé Père. Tu as dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, mon roi, je les exaucerai des cieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi que nous revenons, nous sommes à toi, bien-aimé, parce que nous avons besoin que tu nous entendes aussi, bien-aimé Père Dieu. Tes oreilles ne sont pas courtes pour entendre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Puisses-tu nous assurer, Père de Bissant, aussi la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin que nous puissions aussi, Père de Bissant, sûr et certain de marcher avec toi, mon sauveur, ta présence, Père de Bissant, Dieu. Sais ta présence en toi, Père Saint-Dieu. Oh, tu es le Dieu que nous désirons, Seigneur, avec qui nous voulons marcher, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Viens encourager ton peuple encore, bien-aimé Père Tissant, par ta présence, Père Tissant, Dieu, par l'action dans leur vie, Seigneur Dieu, leur démontrant que tu n'as pas changé, mon roi, que toujours le même, bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce peuple a besoin de toi, mon bien-aimé Père Tissant. Nous avons tous besoin de toi, Seigneur, de voir cette main, Père Tissant, immuable, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, dans notre vie, dans notre marche, mon bien-aimé Père Tissant. Seigneur, c'est un encouragement, bien-aimé Père Tissant, Dieu, pour chacun de nous, bien-aimé Père Saint-Dieu, que la foi de ton peuple soit aussi, Père Tout-Puissant, Dieu, augmenter encore davantage, mon roi, afin qu'il soit heureux de voir que Seigneur Tout-Puissant, tu es son Dieu qui entend ses prières, qui aussi exauce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu connais nos cœurs, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, pardonne nos péchés, bien-aimé Père Tout-Puissant, nos iniquités, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, même si nous avons nous-mêmes l'oubli, bien-aimé Père Saint-Dieu, puisses-tu nous pardonner, Seigneur, mais agis encore parmi nous, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué encore ce soir. Merci pour ce que tu fais pour nous, Père. Merci pour ta présence divine, pour les chants que nous avons chantés, et pour nos frères et sœurs aussi qui sont en connexion dans différents pays et différents endroits où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils soient vraiment bénis, Père, et aussi, Père Tout-Puissant, fortifié par toi, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que son Saint-Nom soit béni, que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Heureux de pouvoir être dans sa maison, mais surtout aussi de pouvoir aussi invoquer son Saint-Nom, comme il nous l'a fait savoir aussi que invoquez-moi dans ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous savons qu'il est un secours qui ne manque jamais dans notre détresse. C'est pour ça que c'est avec assurance que nous nous approchons de lui et nous l'avons entendu aussi, ce que nous apprenons de lui, ce qu'on ne s'habitue pas avec Dieu, en fait. Si l'habitude s'est installée, alors il y a un problème, quelque part. C'est pourquoi les églises que nous appelons dénominationnelles sont devenues dénominationnelles, parce qu'ils ont stagné quelque part.
Ils ont mis des dogmes et des credos et des choses, effectivement, qui ont dit que pour nous, c'est comme ça, effectivement, Dieu va faire comme ça. Non, on ne peut pas s'habituer avec Dieu. Dieu, il est surprenant. Il fait ce qu'il veut, de la manière dont il veut et comme il conseille. C'est pour ça qu'il attend seulement de nous l'obéissance et la foi. C'est là qu'il nous démontre, qu'il lui démontre aussi qu'effectivement, que nous avons effectivement aussi de la crainte en lui. Et quand nous avons cette crainte-là, c'est-à-dire que nous réalisons qu'il est le seul qui peut nous amener vers la chose que nous voulons entendre. Et c'est cela, parce que si nous pouvons comprendre, c'est pour cela que ces hommes ici n'ont pas été découragés par la multitude qui pouvait leur sembler toujours, ils étaient toujours quand même hostiles, mais ils n'étaient pas influencés par cette multitude. Vous allez comprendre effectivement. C'était Josué et Caleb. Ils sont donc, et si nous considérons ces deux personnes avec les autres qui sont rentrés, ils ont eu à pouvoir avoir la même marche que tout le monde, en fait. Oui. Sortis donc de l'Égypte, ils ont pu voir effectivement avec les mêmes yeux ce que tout le monde voyait. Et quand il y a eu donc les fléaux qui sont donc tombés donc en Égypte, et de l'autre côté donc à Goshen, quand il y avait des ténèbres comme une épaisse couche qu'on peut mettre presque palpable, ils pouvaient voir qu'effectivement, que là, à Goshen, ils avaient le soleil. Amen. Quand les eaux, effectivement, sont devenues rouges, effectivement, en Égypte, ils pouvaient voir la différence que à Goshen, les puits donnaient de l'eau pure. Amen. C'était pas une vision, c'était pas une illusion, mais c'était une chose qui était vraie, réel, que les êtres humains pouvaient voir. Et là, ils pouvaient voir la différence. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, comme la Bible le fait savoir, dit, on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ces hommes-là, ils ont pu voir effectivement la différence. Mais voyez-vous, pendant ce moment que ce fléau s'est passé, peut-être le premier ou le deuxième, Pharaon pouvait lâcher le peuple d'Israël s'en aller. Non mais, c'est merveilleux quand même de voir l'autorité de ces dieux que nous avons la grâce de servir dans tous les domaines en fait. C'est lui qui avait dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Parce qu'il fallait que les jugements puissent tomber vraiment sur Israël. Et pour l'Égypte, pardon. Parce que il a touché à un peuple qu'il fallait pas toucher. N'oubliez jamais ceci, parce que tout ce qui est écrit, comme on l'a dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, lorsque l'apôtre Paul, effectivement, se référait, effectivement, en rapport, vous pouvez le lire, effectivement, dans le Corinthiens, au chapitre 10, parce qu'il s'en réfère, mais il est dit aussi, quand même, beaucoup plus loin, hein, de manière à ce que, mais nous revenons à cela, juste pour lire, hein, 1 Corinthiens, chapitre 10, et il dit ici, le verset 1, il nous dit, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, donc sans exception, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, vous vous souvenez, non? Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous entendez bien, non? On insiste toujours et tous, en fait. Parce qu'on n'a pas dit qu'il y avait quelques-uns, non, mais non, mais tous ont mangé. C'est-à-dire que tous ont pris part à toutes ces choses-là. Ils le voyaient effectivement aussi d'une manière aussi visible, pas dans une vision, pas dans un songe. Et quand même, on dit encore, parce qu'ici, il dit encore, et qu'ils ont tous, on n'a pas dit qu'ils ont tous rêvé, hein. Non, ils ont tous bu, donc c'était la réalité en fait. Donc ils buvaient réellement à ce rocher, donc la Bible dit, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Ils ont tous bu, ils ont bien bu le même breuvage effectivement spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient donc Christ. Donc, ils ont eu à pouvoir boire tout cela, effectivement, aussi. Et comme nous le disions, parce que, étant en Égypte, ils ont vu de leurs yeux que réellement,
Là, même si tu étais un aveugle, tu devais quand même réaliser que non, ici vraiment, parce qu'ils ont vu, quand même réellement que ces peuples et nous, il y a une grande différence. Parce que chez les Égyptiens, effectivement, il y avait des crapauds. Chez eux, il n'y avait rien. C'était pas qu'ils ont rêvé qu'il y avait des crapauds là-bas. Non, ils ont vraiment regardé. Ils ont vu que là-bas, il y avait des crapauds. Là-bas, il y avait la peste. Tous ces fléaux qui tombaient, effectivement, en Égypte, ils le voyaient, effectivement, que de ce côté-ci, dans un même pays. Et cela, et de ce côté-là, où les fléaux tombaient, il n'y avait pas un fils d'Abraham. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucun qui était là-bas. Mais là où était effectivement la possibilité d'Abraham, effectivement, eh ben, le soleil brillait. Malgré que les pestes ténèbres étaient là, ici on voyait effectivement le soleil qui brillait. Et encore, ce qui est merveilleux effectivement aussi, c'est que le Seigneur leur parle effectivement, il leur dit effectivement les jours où il doit, parce que là, c'était encore la sélection que Dieu voulait. Dieu voulait marquer en fait de son cachet ce qu'il en était avec eux. Il dit, évidemment qu'ils devaient se retrouver effectivement tous dans les mêmes lieux, comme vous avez entendu effectivement. Mais ce qui devait se passer, c'est qu'il fallait qu'ils aient immolé un agneau. Et là, il devait prendre le sang, et mettre le sang sur la linteau, en fait. Alors on leur a dit, le sang pour vous, vous servira de signe. Alors, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir qu'avant que vraiment Dieu puisse frapper, il fallait effectivement aussi que la différence soit marquée aussi, yes, sûr et certain. Qu'on voit vraiment une différence. Vous savez, dans les livres, je pense aussi, de Ézéchiel, effectivement aussi, quand on parle de l'homme à l'écritoire, effectivement, qui avait donc l'écritoire, et qui devait passer au travers de la ville de Jérusalem, effectivement. Et parce que la discussion était donc programmée, il dit, passe d'abord dans la ville et marque, effectivement, sur le front. Oui, c'est sur le front qu'on devait mettre les sceaux sur le front de ceux qui soupirent, qui souffrent, effectivement, à cause des abominations qui se passent. C'est-à-dire que ces personnes-là, effectivement, ce sont des personnes qui ne prennent pas plaisir, ni part, effectivement, à tout ce qui se passe, effectivement, dans la ville où ils habitent, parce que Dieu avait donc décidé de détruire. Mais avant cela, c'est comme ça que toujours Dieu le fait, mais avant cela, il a envoyé, effectivement, ses anges pour qu'ils passent, pour marquer d'abord sur le front. Mais c'est quand ils ont terminé de pouvoir marquer, c'est à ce moment-là maintenant que les anges de la destruction devaient passer. C'est pour ça qu'il a dit effectivement que le sang vous servira de signe. Quand je passerai, lorsque je verrai le sang, il n'y a que le sang qui ferait en sorte que je passe outre. Vous voyez, c'est merveilleux de pouvoir voir. Cela démontre aussi l'obéissance de la personne. C'est-à-dire qu'il faut que... Parce que ce n'était pas Dieu qui devait venir appliquer, mais c'est toi qui devais appliquer. Et pour appliquer, tu dois vraiment croire que ce que lui est dit par Dieu ici est la vérité. Parce que je peux te dire, mais de toute façon, je suis un fils d'Abraham. On a vu d'abord que là-bas, on a fait la différence. Et ceux-là, ils sont en train de pouvoir avoir des crapauds. Nous, on n'en a pas de crapauds. Donc, il n'y a pas de problème. Dieu les considérera toujours. C'est ça le grand problème. Et nous sommes appelés à pouvoir connaître Dieu. N'oubliez jamais, frères et sœurs, qu'on nous dit dans les Saintes Écritures, toujours l'humilité précède la gloire. C'est que si ces hommes-là, même s'il était fils d'Abraham, c'est vrai, mon précieux sœur, c'est la vérité, ça.
même s'il était descendant d'Abraham, non pas comme elle, et puis ayant passé par, ayant été épargné par ce qui se passait en Égypte, là, effectivement, mais qu'il n'ait pas mis le sang. Et qui saute en bombant la poitrine, de toute façon, je ne mets pas le sang. Je suis fils d'Abraham. D'ailleurs, on nous a protégés, contre Dieu protégera encore. Qui n'ait pas mis le sang. Donc, vous comprenez que quand nous écoutons Dieu nous parler, quand la parole de Dieu nous parle, effectivement, il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'on a facile à ce que nous mélangions notre propre compréhension. Le plus grand adversaire est vraiment celui qui combat l'autre. Hein? C'est ton moi, toi. Ton grand adversaire, eh bien, c'est toi-même. Si on arrive, et c'est vrai, c'est très difficile, hein, frères et sœurs, qu'on puisse arriver à pouvoir vraiment abattre cet adversaire. Très difficile. Parce que on lui donne trop de fleurs, parce qu'on l'aime bien, on le trouve très agréable. Mais c'est vrai. Et c'est très difficile de les chasser. Oui. Examinons-nous nous-mêmes. C'est très difficile de les chasser parce que on l'aime tellement. Et puis on en prend tellement soin qu'on le veut toujours. Mais la différence avec Dieu, c'est que Dieu veut qu'il puisse mourir. Parce que c'est un obstacle pour toi-même. Vous ne comprenez pas pourquoi le Seigneur aille toujours à pouvoir insister sur un point. Vous voyez pourquoi vous n'arrivez pas à mettre la parole de Dieu en pratique, malgré qu'on parle, malgré que la parole est prêchée. Vous revenez toujours avec les mêmes choses, les mêmes habitudes, les mêmes trucs. Et vous vous plaisez en chantant, effectivement, ça c'est non, c'est naturellement, c'est l'homme. Mais c'est parce que vous n'avez jamais expérimenté véritablement Dieu, en fait. Vous avez accepté quelque chose ou quelqu'un que vous n'avez pas réellement compris qui était pour vous. Vous vous souvenez, on prend un tout petit peu de temps, on n'est que 18. Vous vous souvenez de ces centenaires romains, je pense. C'est vraiment ça. C'était un juif, un romain. Il avait un serviteur malade. Tous les juifs qui étaient là disaient, Seigneur, viens, impose les mains comme ça, parce qu'ils savaient que c'était comme ça. On prie pour lui. Non. Mais c'est les centenaires romains là. Ils s'étaient dit loin. Et en plus, quand on lit encore dans d'autres parties des écritures comme Luc, il va dire, mais il a envoyé. Lui-même, il ne s'est pas bâti, il dit, il a envoyé. Il dit, je ne suis pas digne, moi, de venir même dans ta présence. Ah non, frère, ça. Vous sentez l'intérieur de la personne. Et pourtant, vous connaissez un centenaire, c'est quelqu'un qui dirigeait une cohorte romaine. Donc on peut considérer comme étant colonel ou général. Vous savez, quand quelqu'un comme ça, il est orgueilleux, il voit qu'il me dit, mais c'est, lui, c'est pas plus grand par rapport à un prédicateur, par exemple. Mais celui-là, non. Celui-là, il s'est tellement humilié, il dit, je ne suis même pas digne de pouvoir venir vers toi. J'ai mon serviteur qui est malade, effectivement, il est vraiment malade. Il me dit, mais je ne suis pas digne. Parce qu'il me dit, mais quand il est allé parler, effectivement, et puis le Seigneur dit, moi, je lui ai dit, non. Moi, je ne suis pas digne. Il était sincère. Hein? Que toi, tu viennes à moi, que tu entres dans ma maison. Alors, il dit au Seigneur, de là où toi tu es, si toi tu dis seulement un seul mot. Alors, tu peux déjà comprendre, mon frère et ma soeur, le degré de l'obéissance de la personne. Oui. Et en plus, vous remarquez très bien que ce n'était même pas son serviteur qui parlait. Non, son serviteur était là. Mais il intercédait, il voulait la guérison de son serviteur. Donc le patron, quoi. Le patron qui va demander
la guérison de son serviteur. Et lui qui dit, je ne suis pas digne que tu t'approches ou que tu viennes vers moi. C'est d'ailleurs pourquoi je ne me suis même pas jugé de pouvoir m'approcher de toi. J'étais envoyé des personnes. C'était des juifs qui l'ont envoyé. Oui, lisez, vous allez le voir dans les scènes de Quintien. Oui. Mais dis simplement un seul mot. Un seul mot de ta part. Tu le prononces comme ça. Moi d'abord, je la crois. Il dit, je sais une chose que quand tu diras, mon serviteur là, il sera guéri. Alors, vous remarquez très bien que cet homme-là, il connaissait la personne de ce Jésus. Il savait que s'il dit un mot, il prononce un mot, c'est la vérité, ça doit s'accomplir. Donc moi, je n'ai qu'à obéir et à croire cela. C'est ça le problème que nous avons, frère. Nous chantons Jésus, nous parlons de Jésus, nous crions Jésus, effectivement. Mais nous ne le connaissons pas et nous ne l'avons vraiment pas encore reçu dans notre âme ici. Parce que si tu l'as reçu, comme les centenaires en main, tu connais sa grandeur, tu connais que chaque parole qu'il prononcerait, c'est ton obéissance. C'est la chose pour laquelle je dois me mettre à genoux, dire gloire à toi parce que c'est la lumière que tu me donnes. Bien sûr. Il ne peut pas donner les ténèbres, il donnera toujours la lumière en fait. Prions que le Seigneur nous aide. Et comme nous le disions effectivement, le sang vous servira de signe. Peu importe si tu étais fils d'Abraham, ainsi de suite, mais si tu n'étais pas à l'intérieur et que tu n'avais pas appliqué, malgré que tu étais épargné par tous ceux qui étaient là, comme les crapauds, que tu as bu l'eau pure pendant qu'eux buvaient de l'eau, en fait empoisonnée avec les sangs, pendant que tu as bénéficié du soleil et qu'ils étaient dans les ténèbres, tu as bénéficié de tout ça. Mais si tu n'étais pas à l'intérieur et que le sang n'était pas appliqué, alors l'ange destructeur, quand il va venir, il ne va pas penser que tu étais sous le soleil, que tu n'avais pas eu de crapaud, tu n'avais pas eu lui le message dont tu le sais. Alors, ce que lui il a perçu comme message, quand tu vois le signe appliqué, toi, cette maison-là, tu ne touches pas, tu passes outre. C'est cela que nous devons vraiment apprendre davantage. C'est pourquoi nous avons entendu, on ne s'habitue jamais avec Dieu. Je vous en supplie. Il n'est pas un copain. Dieu reste toujours Dieu. Il est toujours surnaturel. Et ça, nous devons admettre que c'est la vérité parce que on ne peut pas arriver à pouvoir saisir Dieu, en fait. Mais c'est la grâce de Dieu que bien Dieu vienne se faire connaître à nous. Donc, ça veut dire que on ne peut pas entrer dans les habitudes. C'est quand on entre dans les habitudes, c'est qu'effectivement, Dieu n'est plus là avec nous. Ça semble banal et petit, mais c'est la vérité, cela. Parce que si Dieu est vivant avec nous, il y a toujours l'action. L'intérieur. Et chaque fois que tu viens à l'église, ce ne sera pas la même habitude, ce sera toujours quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et quand la parole t'est apportée, toi, c'est pour ça que le maître a toujours eu à pouvoir dire, vous devez naître de nouveau. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le plus grand ennemi de toi-même, c'est toi-même. Toi-même, tu es vraiment un véritable. Pour aller vers Dieu, c'est toi-même qui est un véritable obstacle de toi-même. Pour expérimenter les choses de Dieu, c'est toi-même qui est obstacle de toi-même. Nous l'avons entendu avec vous, je crois, la phrase, c'est ce que nous avons dit. Le Seigneur dit que le premier, le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Nous avons aussi compris, le Seigneur nous a fait comprendre que quand on nous demande de l'aimer de tout notre cœur, on ajoute aussi de
toute ton âme, de tout ton être, de tout ce que tu es, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que il devient la première personne principale par rapport à moi-même. C'est comme ça qu'on doit penser à réfléchir. Donc, je ne peux pas m'aimer moi avant Dieu. Parce que, remarquez très bien, regardez très bien. Nous lisons, la Bible nous dit donc, quand le Seigneur répondit, il dit, mais tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, à penser, tout ton être, effectivement. N'est-ce pas bien? Et puis qu'est-ce que nous a dit? Voici les seconds que lui est semblable. Vous entendez cela? C'est lequel? Répétez un peu ce que vous dites. C'est pas bien entendu. Est-ce qu'on a dit tu t'aimeras d'abord avec ton prochain? D'abord ton prochain. Donc ta place à toi, c'est en arrière. Dieu, prochain, et puis. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. C'est-à-dire que quand nous lisons, ou quand nous prononçons, dit, tu aimeras ton prochain comme. C'est pour ça qu'à ce moment-là, toi maintenant, vous me suivez un peu? Tu peux maintenant donner ton corps, ta vie pour l'autre aussi. Et Dieu agréerait, comme dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je donnerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert absolument. Quand l'autre est avant toi, que toi tu es après l'autre, alors ça, cette personne-là a plus de valeur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est pour ça qu'on nous dit que quand tu regardes l'autre, que tu le considères comme étant au-dessus, pas en dessous. Jamais je n'ai lu ça quelque part. Pas qu'en dessous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je sauvais les temps. Il n'est que 28. Dans quelques minutes, je vous laisse aller dormir. Mais faites attention seulement. Parce qu'il faut que vous changiez. Avec quoi on va vous juger? Mais c'est avec la même Bible que vous entendez. Vous pouvez faire toute la géographie possible que vous voulez, justification possible que vous voulez. Là, c'est la condamnation, comme nous venons de pouvoir l'entendre. D'abord Dieu, pas après toi, ton prochain. Et puis toi, après le prochain, c'est toi. Et puis il nous dit même, hein, regardez ton prochain comme étant au-dessus de toi-même. Donc si je le regarde comme au-dessus de moi-même, donc je suis en dessous de lui, je lui dois du respect. Alors ça veut dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas insulter quelqu'un. Je ne peux pas lui tenir le langage, il est, et ceci, et cela, et ceci, et cela. D'abord, je lui dois du respect. Parce que je le considère comme étant au-dessus de moi-même. Frères et sœurs, c'est juste l'ABC de l'évangile. Vous voulez devenir des docteurs, mais vous ne réussissez pas d'abord dans l'ABC. Le 1 plus 1, vous ne savez même pas faire que c'est 2. Vous voulez être des grands docteurs dans les révélations, dans ceci, et vous vous embrouillez même étant docteur que vous êtes. Voici le véritable doctorat. Dans l'ABC. Vous réussissez ça, vous avez déjà le grand diplôme. Mais c'est la vérité. Il dit, tout ce qu'on dit, c'est lui qui aime son prochain accompli quoi? La loi, c'est écrit, il comprend ce qui est écrit, parce que, mais si tu aimes, tu ne vas pas trahir, tu ne vas pas faire, tu ne vas pas voler. Il dit, tu aimes l'amour est quelque chose de. Alléluia. Oh, c'est le diable, frères et sœurs, qui nous aveugle et qui nous fait voir que nous sommes des adversaires. Non, ce n'est pas ma sœur ou mon frère qui est mon adversaire. Non, non, non. Moi-même. Je suis adversaire de moi-même. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir dire, bon, vous permettez encore, j'ai toujours eu à pouvoir dire, frères et sœurs, pourquoi nous nous tuons? Mais c'est parce que le diable nous aveugle. Le frère qui est assis en face de moi, il me déteste. Je donne un exemple. Il me déteste s'il va parler du mal de moi. Pourquoi je dois me préoccuper de lui?
c'est qu'il a parlé de moi, il a fait ceci, il fait de moi, il parle toujours du mal. Pourquoi je dois me préoccuper de lui? Je vous pose cette question. Pourquoi je dois me préoccuper de lui parce qu'il parle du mal de moi? Vous savez avoir la victoire dans beaucoup de choses d'une manière simple. Et vous savez mettre le diable dans la défaite. Parce que vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, toi? Moi, je sais une chose que le Seigneur m'a dit. Aimez ce que vous haïssent. Bénissez même ce qui vous maudissent. Ne rendez point le mal pour... Alors, ça veut dire quoi? J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici. Frère et ma soeur, le Seigneur m'a demandé, moi, d'aimer une personne. Peu importe si mon voisin va m'accuser à la police. Parce qu'ils le font toujours. Ah ben, ils sont comme ça. Mais je ne peux pas détester les voisins. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Je ne peux pas détester les voisins. Je sais bien, parce que quand ils vont accuser là-bas, parce que M. Delman, les gens du quartier, quand ils me convoquent, ils finissent quand même par me dire, bon, c'est... Puis moi, je connais ce qui se passe. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Même si je force un peu de pouvoir être en colère avec les voisins, ça ne peut pas passer. Vous devez être comme ça, en fait. Quand toi, tu détestes la personne qui te déteste. Vous savez, le diable, il est vraiment malin. Il vous connaît, vous vous aimez tellement trop. Et il va utiliser cette personne-là pour pouvoir vraiment te dénigrer, te ramener dans la bassesse, te dire que tu ne vaux rien, ceci, cela. Il va t'insulter la personne. Mais toi, quelle position tu vas avoir avec la personne? Ça, toujours, ça a été, sera toujours votre force. Vous rendez toujours le bien. Vous aimez toujours cette personne, effectivement. Jamais avoir de la haine à l'endroit de la personne. Même pas une petite partie. Parce que si ça vient dans votre cœur, vous avez la défaite. Vous allez prier. Dieu ne va pas vous répondre. Permettez-moi de lire une écriture ici, afin de vous montrer même dans cette condition-là, pour voir comment il faut arriver à pouvoir prier Dieu et aussi être dans la condition, parce que cette phase-là, qu'on entre souvent et on n'y fait pas tellement très attention. Alors que c'est une phase, une position que Dieu aime pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la bouche c'était, c'est seulement la pensée qui part vers Dieu. Peu importe, regardez, Ésaïe 58, et puis on s'arrête et on va prier. Ésaïe 58. Voilà. Voilà. Ils ont Ésaïe 58. À partir du verset 1. Je vais lire tout, hein, et puis nous allons prier après. Ça va? Ok. Ésaïe 58, chapitre 58, verset 1, il dit, crie donc à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts donc de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Maintenant, écoutez bien. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement, ainsi de suite. Et puis, voici, vous jeûnez pour disputer. Et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Vous comprenez, parce que dans cette période où tu restes, là, tu vas avoir la présence de Dieu, le diable ne va pas te laisser tranquille. Ma sœur, mon frère, toi qui veux être sanctifié et demeurer dans la sanctification, tu deviens la cible du diable. Maintenant, tu dois apprendre effectivement à garder toujours ta position, la tête haute, afin que le diable soit toujours dans la défaite. Il va te combattre. Mais si toi, tu maintiens la position que Dieu te montre, tu ne seras jamais dans la défaite. Parce que, comme il dit effectivement, vous allez voir, Dieu aime un peuple qui jeûne. Le jeûne est quelque chose de tellement... Nous allons le voir, lisons d'abord ensemble. Hein. Il dit, comme je dis, nous allons lire puis le prier. Il dit, vous, voici, vous jeûnez pour disputer, vous, ça nous avons lu. Verset 5, il dit, est-ce là
le jeûne auquel je prends plaisir. Donc Dieu prend plaisir. Quand vous ne vous rendez pas compte, effectivement, si vous n'avez jamais jeûné, que pendant ce temps, vous n'avez pas jeûné, pensez-y. Parce que c'est une période où Dieu veut entrer en relation avec toi. Est-ce que vous suivez? Alors écoutez bien. Il dit, est-ce que j'ai là auquel je prends plaisir, un jour où l'homme, voilà comment c'est là, humilie donc son âme. Donc tu te tiens dans une position où tu t'humilies de telle sorte qu'effectivement que Dieu voit et que tu es dans le besoin, que tu ne reconnais simplement que ce qui viendrait de Dieu en fait, pas autre chose. Il dit, où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, vous connaissez les joncs, non? Et se coucher sous le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc quand vous décidez de pouvoir jeûner, dit Seigneur, je veux maintenant jeûner quand même pendant ces quelques jours. Vous savez, frères et sœurs, c'est un moment auquel Dieu prend vraiment plaisir. Alors, les anges du Seigneur sont autour de vous pour vous observer pendant ce temps-là, effectivement. Et n'oubliez pas, quand vous prenez cette décision, c'est une déclaration de guerre. Le diable, écoutez-moi très bien, le diable et les démons, ils savent que soit toi, quand tu entres dans le jeûne, dans la prière, ils sont tous dans la défaite. Oui, ce moment est un moment tellement particulier, parce que vous ne vous rendez pas compte, vous vous sentirez enveloppé, parce que vous êtes en fait à la recherche de ce que Dieu fasse quelque chose. Et tout votre être, votre âme, vos pensées sont tournées maintenant dans l'adoration de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la prière effectivement, pour que Dieu vous donne ce que vous lui demandez. Et c'est sûr et certain, quand vous lui demandez selon sa volonté, vous allez l'obtenir. Et alors Satan sait que aussi pendant cette période de jeûne, vous recevez une puissance en vous. Et c'est vrai cela. Et c'est vrai parce que vous êtes tellement consacré. Quand vous jeûnez de la bonne manière, parce qu'on dit, ben, frère, nous avons... Non, mais il faut jeûner de la bonne manière. Nous allons le voir ici. De la bonne manière, vraiment, quand on se met vraiment de la bonne manière, pas avec une pensée de respectance, mais vraiment un cœur qui est là, qui pleure, qui reconnaît la grandeur de ce Dieu, qui n'a que Dieu réellement comme soutien et secours. C'est comme ça que Gabriel a été envoyé aussi à Daniel, lorsqu'il a eu à pouvoir jeûner pendant trois semaines, effectivement, qui s'est mis à pouvoir chercher la face de Dieu. Et cela, effectivement. Alors, ici, il nous dit, alors, et cela, ce que tu parles un jour agréable à l'Éternel, il dit, voici, il dit, voici donc le jeûne auquel je prends plaisir. Vous entendez, non? Alors, il dit, détache le chêne de la méchanceté. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, ou tu as fait quelque chose qui fait quelqu'un, ça le fait souffrir, effectivement, arrange cela. Et ne réponds pas durement à quelqu'un. N'ayez pas de regard comme si moi je suis dur, que tout le monde comprenne que je suis dur. Tu peux gêner, tu prieras, ça ne sert absolument à rien. Frères et sœurs, il faut que nous apprenions à connaître le Dieu que nous servons. Je vous l'ai dit, frères et sœurs, à la barre des jugements, il n'y aura pas un autre livre. C'est pour ça que nous l'avons entendu. Ici, il dit, le jugement commence donc. Alors, je bénis Dieu si moi je peux être jugé d'abord sur la terre ici. Ah oui, parce que je ne veux pas être jugé là-bas. Je préfère ici parce qu'ici encore, il y a la miséricorde de Dieu. Je peux pleurer, je peux le supplier. Son cœur va peut-être touché parce qu'il y a encore le sang. Mais de l'autre côté, le sang ne sera plus là. C'est pour ça qu'il faut abandonner l'esprit des têtus. Que Dieu vous délivre des têtismes, des pouvoirs. Et nous voulons faire, nous le faisons quand même. Ce n'est pas un problème. Vous vous enfoncez toujours. Les démons vont s'accrocher à vous. Parce que, comme vous vous souvenez, vous avez entendu. C'est ça que je crois que nous l'avons lu pour un mardi. Oui, c'est là. Oui. Et dans Hébreux chapitre 6. Après avoir goûté la bonne parole. Vous avez goûté. Et puis, quelque part aussi, je pense à Hébreux 10, je pense aussi. Il est dit, mais si nous péchons,
volontairement, après avoir reçu, hein, vous souvenez, non? La connaissance de la vérité, il ne reste plus les sacrifices pour. On n'a pas dit qu'après avoir cru à la vérité, mais seulement après avoir entendu que la chose juste est ça. Mais tu t'endurcis, tu veux persévérer dans ton droit. Le diable dit, oh, celui-ci m'embrasse. Celui-ci, il est vraiment à moi. Vous vous rendez pas compte, frère, les démons, ce qu'ils font comme dégâts. Isaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous délier et vous libérer. Il n'y a aucun être sur cette terre qui peut te délivrer. Tous ils sont possédés. Les démons sont là pour vous lier parce qu'ils ne peuvent travailler que quand ils sont dans une personne. Quand ils sont là, ils te lient, ils t'obligent. Alors, c'est comme ça. Alors, vite, parce que... Alors, il dit, donc, voici ce que je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Vous savez les jougs, non? Vous connaissez, non? Merci. Partage donc ton pain avec celui qui a faim. Ne sois pas toujours... Hein, vous voyez, c'est ce qui est. Ah, c'est la période de crise, parce qu'on parle de crise, tout le monde s'est devenu. Oui, c'est. Vous savez, plus on en parle, c'est les gens. C'est comme un endoctrinement. Tu ouvres le robinet de. Ah, crise! Un peu de lumière. Ah, crise! Alors, on va devenir des aveugles. C'est vrai. Il y en a des. Non, allume pas trop, parce qu'il y aura crise. Mais les enfants doivent étudier. Si vous mettez les enfants comme ça, vous dites, il n'a même pas l'occasion de voir toute la matière. Bon, on m'a dit que les lumières, mais vous allez faire quoi? Parce que l'enfant a besoin de cela. Je ne dis pas que, non, mais vivons normalement. Les mêmes personnes disent, crise énergétique, non, ça coûte, et vous aussi, je ne chauffe pas. C'est pour ça que, je donne un exemple, hein, et la grippe, je sens les courbatures. C'est normal, tu n'allumes pas le chauffage. Oh, énergie, j'ai fait économie. Mais tu fais économie, mais ta santé, et en subir. Frère, vaut mieux que le fer puisse rouiller, mais que ton corps soit en bonne santé. Toi, tu veux que là, les gaz, ça ne chauffe pas, mais que ton corps se détruit. Oh, tu es toujours malade. Je dis, mais c'est normal, chauffe la maison. Parce qu'ils ont dit récemment, oh, les prix ont baissé. Moi, j'ai dit, je suis tranquille. Vous montez, vous baissez, on va toujours se retrouver. S'il vous plaît, chauffez vos maisons. Mais tout ce n'est pas tout le temps. Chauffez comme ça, on prie que Dieu nous aide, que quand la fatigue vient, on va prier. Votre bonne santé est importante pour nous. Nous préférons l'argent, c'est papier, mais vous êtes important. Alors chauffez-vous, hein, chauffez-vous. Ça va être bien. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que les gens font souffrir. Les informations, ces gens, vous le suivez, mais vous ne pouvez rien faire. Rattemblement, là. Et maintenant, on a vu, non. Si vous suivez les informations tout le temps, vous ne ferez jamais rien du tout. Mais regardez, bref. Parce que bon, que Dieu nous aide. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Donc, pendant que toi tu gênes, sois la personne la plus libérale possible. Parce que c'est une période où tu vas avoir la grande victoire, en fait, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et alors, le diable, il est tellement aigri parce que il sait que si vraiment tu arrives là, et que tu as cette victoire-là, tu vas avoir la foi que chaque fois que je veux gêner, Dieu va agir. Mais il faut qu'il te mette des bâtons dans le... Oui! Il va soulever des gens qui sont mauvais contre toi. Pendant que tu es là, tu ne veux même pas arriver à pouvoir te fâcher, mais quelqu'un va te faire quelque chose. Même ton enfant, toi, qui est toujours très doux, là. Il va s'élever, il va commencer à dire, maman ou papa, qu'est-ce que tu as maintenant?
L'enfant qui n'a jamais parlé comme ça. C'est pour que, mais c'est vrai, frère et sœur. C'est pour que tu sautes, effectivement, parce que le diable sait que dans ton calme, dans ta prière, effectivement, tu restes seulement consacré à ça. Il dit, celui-ci, il va réussir et tous les démons ne vont pas tenir. Sûr et certain. Parce que, peu importe même si c'est que les démons, parce que les démons travaillent avec là. Vous connaissez comment la sorcellerie. Oh, je ne vais pas me prendre. Oui, parce que les démons de la sorcellerie ont une façon de pouvoir travailler. Et c'est vrai, ça. Mais je vais pas mettre ça, c'est impossible. On n'est pas là pour pouvoir. Mais nous savons comment les choses se passent. Oui, bon, bref. Alors, nous allons continuer. Alors, si tu vois un homme nu, toi, tu dois être quelqu'un qui pense aussi aux autres. Quelqu'un que tu... C'est vrai, frère et sœur, nous devons être de ceux-là qui sont... Et le Seigneur nous a appris en disant, notre maître, hein, il y a plus de bonheur, de joie à donner que de pouvoir. Alors, celui qui fait toujours des cadeaux, là avec un bon cœur, hein, celui-là, c'est une personne qui est bénie. Oh, frère, tiens. Oh, ma soeur, tiens. Que le Seigneur te bénisse. Prends, je pensais à toi pour ceci avec un grand sourire. Cette personne-là, elle est bénie. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons apprendre de notre Dieu. Parfois, on dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a... sinon, pas si on donne... Oui, mais c'est vrai, ça. Dieu nous dit, hein, quand nous sommes comme ça, celui qui retient le blé, qu'est-ce que le proverbe dit? Il est maudit. Alors, si tu es maudit, comment vas-tu dans ta maison, les factures? Évidemment, tout ce que tu gagnes, ça disparaît. Mais comment j'ai Dieu? Ça vient, mais toujours, il y a une grosse facture qui vient. Cette facture était où? Mais je pense que tu as toujours tenu. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. C'est vrai, ça. Il faut qu'on comprenne, nous avons les diables. Il surveille, hein. Il dit, ah, mais lui, il n'a pas fait comme cela, donc comment veut-il qu'il soit béni? Oui, parce que, et vous vous souvenez de la conversation? Vous me permettez un peu? Oh, y a, le temps file, hein. Je vais lire vite, mais quand même un peu. Vous vous souvenez de la conversation qu'il avait eue avec les siens à propos de Job? Je dis, mais tu vois, mais tu l'as béni, hein. Est-ce pour rien que Dieu te sert, effectivement, Job, c'est-à-dire, mais tu vois, tu l'as béni, c'est tout pour quoi. Mais oui, bien sûr, Satan, il sait que quand quelqu'un, ah oui, la bénédiction suit l'obéissance. C'est 100% la vérité, mon frère et ma soeur. Il veut simplement que toi, tu puisses être, tu veux dire, mais ça marche, je peux dire, parce qu'il dit, mais Dieu, est-ce que ta parole est la vérité ou quoi? Mais si sa parole est la vérité. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince. C'est certain. Couvre-le. Donc, ça veut dire que couvre-le. C'est pas que, bon, comme nous avons toujours, ah, j'ai fait du bien, je prends la chemise ou la veste, je donne à mon frère, et puis quelques temps, après le temps passé. Vous savez, hein, quand les frères là étaient venus pendant l'hiver, je voyais, ils n'avaient pas de veste. Moi, ici, j'ai acheté une veste, je lui ai donné. Gloire à Dieu. En tout cas, ça, ce que tu as fait là, ne servait absolument à rien. À rien du tout. Rien. Oui, rien. Faut pas faire pour qu'un jour vous rappelez encore, oui, mais tu te souviens quand tu es dans les besoins? Moi, c'est moi qui t'ai aidé, hein? Ou c'est moi qui ai fait ça? Mon frère et ma soeur, ça, c'est pas chrétien. Les gens du monde, oui, les gens du gouvernement, oui, parce qu'ils font quand ils vont faire leurs dons et publics, nous avons fait. Mais toi, quand tu fais ton. On nous dit quoi? Nous avons oublié ça longtemps, que ta main droite, enfin, c'est que la main gauche fait. Vous avez oublié ces versets, hein? Ah, que Dieu soit béni, quel bonheur pour moi, je suis consolé. Donc, c'est-à-dire que quand on fait, c'est avec beaucoup de joie. Hein? Ces côtés-là, on a donné parce qu'on veut que la personne soit heureuse. Mais pourquoi tout le monde doit savoir? Si la personne elle-même rend témoignage, c'est autre chose. Mais bon, alors, on est dans la haute. Alors, regardez très bien, il dit, mais si tu vois un homme nu, couvre-le, ne doute pas d'être son semblable. Vous en mettez maintenant, non? Verset 8, il dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera. Ta justice marchera et la gloire de l'Éternel fera quoi? Alors le diable ne veut pas ça. Oui. Lève-toi, sois éclairé. C'est vrai, non? Car ta lumière arrive, hein, et la gloire de l'Éternel. Vous savez, non? Ésaïe 60. Donc Dieu ne manque pas à pouvoir agir selon sa parole. Mais toi, maintenant, si tu dois agir, effectivement, sache que si tu dois faire les choses comme Dieu l'a dit. Mais avec tout mon cœur, pas seulement, bon, je fais selon les Saintes Écritures, mais le cœur n'y est pas. Bon, il dit,
Verset 9. Maintenant, écoutez très bien. Vous avez compris, non, pour l'homme. Il dit, alors tu appelleras. Et qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel, là, n'est-ce pas ce que l'on veut? Ah oui, quand on l'appelle, on l'invoque de tout notre cœur. On dit qu'il répondra, tu crieras et il dira, si seulement tu es loin du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est pour ça que le Seigneur nous parle de la sanctification. C'est pour notre bien. Ne pas parler du mal. C'est tout. C'est mettre toujours à la place de l'autre. On est toujours là à dire que moi, mais est-ce qu'à un certain moment, tu peux t'asseoir aussi et dire maintenant, si je me mettais à la place de l'autre, c'est que moi, je lui fais. Si on le faisait à moi ou à ma famille, vraiment. Donc, c'est-à-dire, toi, tu te mets quand même à la place. Réfléchissons, on dit, mais si ce que. C'est pour ça que nous prions que Dieu nous ouvre les yeux. Quand nous appelons celui qui est en face de moi, mon frère, tu ne te rends pas compte que tu es dans des poids, tu es ton propre frère. Ou ta, c'est ta propre soeur, ton propre frère, que tu es en train de pouvoir étrangler, en fait. T'imagines que tu es dans la même maison, tu vis avec ta soeur, vous vivez ensemble, ta soeur de la même famille, hein. Même père, vous aimez tellement, et puis tu, la nuit, tu viens seulement, et tu n'as rien fait quand même, tu commences à l'étrangler. Tu trouves ça, est-ce que tu as même le courage de voir étrangler la soeur avec lui, vous avez mangé à table tout à l'heure, ensemble avec lui, et tu l'étrangles, il dit, ça peut même pas te venir à la pensée. Puis tu dis, mais non, c'est ma soeur quand même, hein. Mais quand il s'agit de celle qui est à l'église, c'est un étranger, un lointain. Et puis le lendemain, tu l'appelles, ma bien-aimée. Et puis tu te mets à genoux, je vais gêner pendant 15 jours. Tu gênes, c'est du vide, c'est normal. Tu t'es privé de viande, tu t'es privé de, je ne sais pas moi, quelle nourriture que tu aimes bien. Parce que quand on gêne aussi, il faut savoir qu'il ne faut pas toujours capiter. Non. On gêne, c'est un jour où on pleure, on se met devant Dieu. Si on doit manger seulement au coucher du soleil, ça vous savez, pas bon frère. Alors tu auras tout fait ça, comme l'a dit, mais est-ce là le gêne auquel je prends plaisir? Tu peux gêner pendant 15 jours, t'es privé de tout et tout ça, dormir par terre. Il dit, il ne regarde même pas. Parce qu'au-dedans de toi, il y a des gestes menaçants, il connaît ceci, et tu fais ça, telle personne, tout ça. Dieu est très exigeant. Très exigeant, mais il attend que ton intérieur soit vraiment nettoyé pour qu'il descende maintenant, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Le diable, il a peur que tu puisses vraiment jeûner. Parce qu'ici, il a dit, hein, il dit, mais, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera, donc partout où tu passes. Bien sûr. Maintenant, nous allons vite ici. Alors, verset, je lis encore verset. D'ici, dit, si tu donnes ta subsistance, voilà, non, verset 10, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur, et tes lèvres seront comme, il dit, l'Éternel sera toujours, quel bonheur, hein? Quel bonheur, hein? Donc quand tu entres dans les jeûnes, lorsque tu sors, ceci est à toi. C'est pour ça que le diable a peur quand vous dites, je veux jeûner. Il va te donner beaucoup de raisons. Non, tu vois, demain tu vas aller au travail, et ceci, et puis tu auras faim, comment ceci, beaucoup d'histoires. Tu dis non, faim ou pas faim, moi je veux jeûner. Parce qu'il tremble déjà. C'est votre victoire. C'est notre victoire. Nous continuons rapidement et puis nous terminons. Il dit, non, le Seigneur sera toujours ton guide. Il rassasiera donc ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à quoi? Voilà. Il raffermera nos genoux, il fera tout effectivement dans le jeûne. Oui, quand nous le recherchons dans le jeûne. Parce que quand on va crier, il dira, mais voici. Voilà. Alors il dit, tu seras comme un jardin. Oh, que Dieu soit béni. C'est notre désir, non? Et puis il dit, comme une source dont les eaux ne tarissent. Voilà. Qui est toujours là, qui coule l'eau toujours présente. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Quand tu rentres dans une maison où il y a un problème,
tu apportes la solution, tu apportes la paix, parce que là-dedans, l'Éternel est avec toi. Alors, continue ici, il dit, c'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Il dit, mais si tu retiens, voilà, si tu retiens donc ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, effectivement, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point de tes voies et ne te livrant pas à tes penchants, à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci ce soir pour la grâce que tu nous as accordée, Père Saint-Dieu, de nous aider encore d'être encore dans ces lieux et de pouvoir entendre, Père Saint-Dieu, ta parole. Que nous puissions vraiment nous appliquer à ce que toi, tu nous as donné, Père Saint-Dieu. Nous voulons revenir à cela, Père Dieu. À te chercher aussi par des missions, par des jeûnes et des prières. Oh Dieu, peu nous importe les situations, les circonstances, mon roi. Nos cœurs et nos âmes veulent revenir à toi pour te servir encore davantage. Nous voulons chanter les chants de Sion avec honneur, Père Tibissant Dieu, avec des cœurs et des pensées bien disposées, en prenant plaisir, mon bien-aimé Père Tibissant, ce qui te fait plaisir. Comme tu as dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, mon roi? Oh, dénoue le lien de la méchanceté, Père Saint-Dieu, que nous puissions détacher tout ce qui est par ta mission, mais pas ta gloire, mais que nous revenions à pouvoir vraiment que nos cœurs soient purifiés. Ah, c'est là que nous pouvons obtenir de ta part ce que nous te demandons, mon bien-aimé Père. Pardonne-nous et soutiens-nous, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que nous savons que notre ennemi, Père Tibissant, le diable et tous ces démons, Père Tibissant, Dieu, cherchent par tous les moyens à nous décourager, nous approcher véritablement de toi de la bonne manière. C'est pour ça que nous avons décidé, Père Dieu, de cette année-ci, de revenir à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce que ta parole nous dit, nous le ferons. Ce que tu nous demandes, nous le ferons, Père Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu veux vraiment notre bien, Seigneur Dieu. Aide-nous encore, mon roi, à apprendre de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père Dieu, à vivre avec toi, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Bénis nos prières, bénis aussi nos sœurs, mon bien-aimé Père Tibissant. Souviens-toi de ces âmes qui sont à toi, ceux qui viennent de loin, Père Saint-Dieu, et en fait des kilomètres jusqu'à ces jours, Père Saint-Dieu, à cet endroit. Souviens-toi de ma sœur Sonia et aussi ma sœur Christiane, Seigneur Dieu. Souviens-toi de tous nos bien-aimés frères et sœurs, mon roi. Seigneur, souviens-toi de toutes ces distances, mais qu'ils reçoivent aussi, Père Tibissant, Dieu, ce que toi, tu a préparé, Père Saint-Dieu. Leur cœur désire, mon roi, que ta bénédiction, ton soutien, ton secours soient accordés à chaque frère, à chaque sœur, nos jeunes enfants, Père Saint-Dieu, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, c'est-à-dire nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu, partout où ils sont, mon sauveur. Je pense à mon précieux béni, mon frère Zaché, là où il est maintenant, Père Saint-Dieu, qu'il soit vraiment béni, Père. Souviens-toi et ton serviteur, mon roi, qu'il soit rétabli, qu'il soit en bonne santé, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons tant, nous aimons tant le voir dans ta maison, Seigneur, oh Dieu, occupant son poste de travail, mon béni, Père Saint-Dieu, qu'il soit fortifié. Et en pleine santé, mon roi, souviens-toi de lui, mon bien-aimé Père Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon roi. Tu es digne d'être adoré. Souviens-toi de mon précieux frère Rosario aussi, Père Saint-Dieu, toute sa famille. Qu'il soit aussi béni, Père Dieu, fortifié. Qu'il a sa santé, bien-aimé Père Saint-Dieu. Ah, Père Dieu, relève-les, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné, bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour chaque frère, nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion. Qu'ils soient aussi bénis, mon roi. Mon frère, Père Saint-Dieu, Michel de Loudun. Ma soeur Marie-Thérèse, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, que tu le soutiennes. Souviens-toi, Père Saint-Dieu, dans ta grande bonté, Père Saint-Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre roi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te remercions, Père Dieu, pour notre sœur Elodie, Père Dieu, pour ce que tu as fait. Seigneur, tu fais des choses à la merveille. Mon âme te loue pour ce témoignage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ô toi qui donnais la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme ça, que faible sans moi.
Je